Bonjour Omar Ferta, nous sommes ensemble pour présenter votre essai sur la traduction et l'adaptation dans le théâtre marocain, qu'ont publié les presses universitaires de Bordeaux dans la collection Monde arabe et Monde musulman. Alors je voudrais commencer par cette première question. Pourquoi avez-vous fait le choix de consacrer cette étude monumentale à la traduction et à l'adaptation de textes étrangers dans le théâtre marocain? Et en quoi cette poétique de l'emprunt aux textes étrangers recoupe-t-elle d'autres problématiques et d'autres questions, telles le passage d'une langue à une autre, la dualité culturelle, la question de l'approche de l'altérité? L'idée est partie en fait d'un simple constat. C'est que ce travail qui est issu d'un travail de recherche, de ma thèse, en partie, donc est venu combler un vide dans les recherches consacrées aux arts du spectacle au Maroc. C'est-à-dire que tout le monde est unanime, tous les chercheurs, les historiens du théâtre marocain sont unanimes pour dire que la pratique de l'adaptation et de la traduction est une pratique fondatrice même pour l'histoire, pour le théâtre marocain. Mais quand on cherche en fait les références, si vous voulez dire, et les textes ou les livres écrits sur la question, mais on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'études sérieuses consacrées exclusivement à cette question. Et j'étais en fait confronté à cette pénurie de références, mais vraiment concrètement, quand j'ai entamé mon travail de troisième cycle de DEA, que j'ai consacré au théâtre marocain d'expression française. Et je me rappelle à l'époque, je travaillais sur certains auteurs qui écrivent en français, mais qui ont pratiqué l'adaptation, dont le grand metteur en scène et écrivain Tayyip Sentéri. Et je me rappelle à l'époque, il a beaucoup insisté pour que j'aille d'abord voir ces adaptations. Parce qu'il me disait qu'avant d'arriver au texte français, d'abord l'adaptation, c'est très important. Et donc, je suis allé voir ce qu'il a écrit, etc. Et c'est là où je me suis vraiment trouvé confronté à la situation de cette pénurie, parce que j'ai trouvé aucune référence. Et même le corpus était très difficile à avoir. Et donc, c'est à partir de là où j'ai eu l'idée, en fait, de travailler sur cette question. Et je me suis dit, malgré toutes les difficultés qui se présentaient, pourquoi pas ne pas travailler sur cette question. Vous affirmez que l'émergence de jeunes dramaturges comme Asma Houri et Mohamed Al-Hur a bouleversé la scène marocaine grâce à la mise en place de nouvelles esthétiques. D'où ma question, quelles sont les caractéristiques de l'adaptation et de la mise en scène de cette jeune génération dont vous parlez beaucoup? Alors, la génération à laquelle vous faites référence, c'est une génération que certains chercheurs, comme Abdelwahed Ouzri, qui a écrit l'un des rares livres en français sur le théâtre marocain, Structure et tendance du théâtre marocain, il a parlé à l'époque de la génération du théâtre. Et il appelait de ses voeux l'avènement de cette génération du théâtre. Et peut-être qu'on est aujourd'hui face à cette génération. On peut dire qu'elle est arrivée, même si cette terme de génération de théâtre, comme vous l'imaginez, est contestée quand même par tous ceux qui étaient avant, parce qu'ils ne viennent pas de nulle part non plus. Il y a une continuité, il y a des gens qui ont fait le théâtre bien avant eux. Donc cette génération a bénéficié de quelque chose de très important que les prédécesseurs n'ont pas eu. C'est une formation professionnelle, et je vais dire institutionnelle, grâce à l'Institut supérieur d'art dramatique qui a été créé pendant les années 80. Donc fin des années 80. Et donc cet institut, grâce à cet institut, il y a vraiment des générations même de praticiens du théâtre qui vont naître. Et ils vont bénéficier au sein de cette institution d'une formation vraiment solide. Alors la première chose qu'on peut relever aussi dans cette formation, c'est l'ouverture. C'est-à-dire que les directeurs, les premiers, surtout les premiers directeurs de l'institut, que ce soit Ahmed Bedri ou Ahmed Msaaya, ils ont tenu à ce que l'enseignement soit ouvert sur le théâtre mondial de manière générale. Donc moi j'ai eu de longs entretiens d'ailleurs que certains vous trouverez dans le livre, et ils m'ont dit que il fallait que ces jeunes aient une forte culture théâtrale qui passe par le théâtre européen, le théâtre classique, le théâtre mondial. Donc ça c'était quand même quelque chose de très important qui a servi par la suite, on va le voir, pour ces générations. Deuxième élément, toujours dans cette ouverture, c'est qu'ils ont bénéficié aussi des fois, et souvent,
de formation donnée par des grands noms du théâtre mondial. Vous imaginez par exemple des jeunes de 18 ans, 19 ans qui ont face à eux, par exemple Peter Brook qui est venu au Maroc, Fahd El Jaib, et pas que européens, occidentaux, aussi arabes. Donc il y avait aussi des formations données par des grands noms qui ont ouvert aussi des portes et qui ont donné des pistes à ces jeunes étudiants. Et donc, une fois, bien sûr, la formation est très importante, avec tout ce qu'ils ont accompli comme projet de recherche, etc., etc. Mais je dirais n'est pas suffisante non plus. Hein. C'est-à-dire que tous les lauréats, ce qu'on appelle les lauréats de l'ISADAC, n'ont pas eu le même cheminement, ils n'ont pas eu le même succès qu'une Asma Houri ou El Hor ou Shahdi, etc. Donc, il y a aussi la trajectoire personnelle qui est très importante, et cette trajectoire qui est voilà, émaillée durant laquelle ils sont confrontés à d'autres problématiques, c'est ils trouvent leur propre chemin où ils se posent des questions. Je dirais même que quand on voit ces trajectoires personnelles, il y a un positionnement aussi esthétique, éthique et même politique aussi qui fait qu'il y a cette ouverture. Donc en termes d'adaptation, bien sûr, ces jeunes, ils ont abordé la question de l'adaptation. Même l'adaptation du théâtre à partir du théâtre étranger est très présente hein, dans leur pratique, hein, vraiment très présente, avec bien sûr une nouvelle manière d'aborder cette adaptation, ce travail sur le texte étranger, qui diffère aussi de leurs prédécesseurs. Alors, par exemple, la jeune génération, elle ne s'est pas contentée, par exemple, de travailler que sur le théâtre français, par exemple, hein, quand on voit ceux qui étaient avant, donc les pionniers, ils ont beaucoup travaillé sur le théâtre français, francophone, et quelquefois aussi le théâtre anglais, comme Shakespeare, etc. Donc là, il y a une autre ouverture, maintenant, ils travaillent sur le théâtre roumain, le théâtre africain, le théâtre asiatique, etc. Il n'y a pas de limite. Deuxième chose, c'est que cette nouvelle adaptation, on peut dire qu'elle est plus libre, c'est-à-dire que les nouveaux acteurs et les nouvelles promoteurs de cette adaptation ont abordé le texte original, qu'il soit européen ou autre, sans complexe. C'est-à-dire qu'ils prennent le texte, mais ils interviennent d'une manière très libre et même des fois osée. Des fois même, le texte devient un prétexte pour dire autre chose. Et donc, contrairement, bien sûr, aux pionniers, si on prend Déré, Taïb El Hadj, etc., ils ont certes ce qu'on appelle la marocanisation, sans changer les noms, donner des noms marocains, etc., aux pièces originales, mais ils sont restés dans l'esprit, dans la structure quand même. Hein. Ils ne sont pas déviés beaucoup de cette structure, alors qu'aujourd'hui, il y a vraiment des spectacles que voilà, le texte original n'est qu'un point de départ. Hein. Je peux citer par exemple « Waiting for Othello » de Amjid Lahouas, où il y a le mot « Othello », il y a le mot aussi « Waiting » comme en attendant Godot, et il y a un mélange des deux. À la fin, on est face à un spectacle qui est tout à fait différent, avec quelques réminiscences de Shakespeare et même de Beckett, mais dans autre chose. Et donc, voilà, donc, et le troisième élément, si j'ose dire, c'est en fait la façon d'aborder aussi ces adaptations, c'est-à-dire les outils qu'ils ont. C'est-à-dire que maintenant, il y a le théâtre, ils pratiquent ce qu'on appelle une sorte de théâtre total. C'est-à-dire le théâtre, pas seulement travailler sur le texte, ce n'est pas le texte qui est devenu central comme c'était avant, mais toutes les autres formes scéniques, on va dire les éléments scéniques qui entrent en jeu, la scénographie, le corps, voilà, tous ces éléments font qu'il y a une nouvelle manière et de nouvelles esthétiques qui naissent. Peut-être qu'on reparlera un petit peu en plus de détails de ces esthétiques-là. Bien sûr. Donc, dans la conclusion, vous affirmez que l'adaptation constitue, en fonction des périodes et des contextes, un enjeu politique et identitaire, un levier de l'écriture et de la pratique théâtrale, une histoire de personne. Par ailleurs, vous posez la question vraiment très, très intéressante à mon point de vue, relative au dépassement de l'adaptation. Quel est donc l'avenir de la création et de l'originalité dans l'espace dramatique marocain ? Alors, le dépassement de la traduction. Donc, on peut dire que, concernant cette question, il y a eu deux temps de ce dépassement. Donc, le premier, c'est-à-dire, c'est, on va dire, les pionniers, la première génération qui a pratiqué, bien sûr, comme j'explique dans mon livre, l'adaptation d'une manière donc, vraiment très importante. Mais cette génération elle-même, à un moment, elle va, on va dire, essayer d'aller au-delà de l'adaptation. C'est pour ça que certains chercheurs comme Hassan Niaï parlent de période d'élaboration. Donc on est en train de fourbir ses armes, en train d'apprendre en fait le métier d'écrivain, de metteur en scène, etc. Et donc quand on prend des gens comme Taïeb Sedderi par exemple,
à un moment, il va proposer un autre théâtre, ce qu'on appelle authentiquement arabe, ou certains appellent théâtre du patrimoine, qui est inspiré du patrimoine arabe, comme une forme de dépassement de cette adaptation. À un moment, c'est-à-dire qu'il dit, on a fait le tour, j'ai fait le tour de ces formes occidentales, et maintenant je dois proposer, je veux proposer autre chose. C'est comme ça qu'il va nous proposer ces chefs-d'œuvre comme le Mejdou, comme le Harraz, le Maqamat, le Bsat, etc. Toutes ces formes inspirées du patrimoine arabe. Il y en a d'autres aussi, je peux citer Mohamed Qaouti, la génération, on va dire, la même ou d'après, qui est plus représentative du théâtre amateur marocain, qui a pratiqué à merveille l'adaptation, même il a inventé la notion de transplantation, mais à un moment donné, lui aussi, il va se livrer aussi à une création originale en proposant ses propres œuvres, donc écrites par lui. Ça, c'est dans un premier temps. On peut parler, donc le deuxième temps, quand je parle dans mon livre du dépassement de l'adaptation, donc c'est par rapport à la nouvelle génération aussi. Parce que la nouvelle génération aussi a pratiqué massivement l'adaptation, comme je l'ai dit, et il y a un certain dépassement qui peut se décliner de deux manières. Donc la première, le dépassement classique, dans le sens classique, c'est-à-dire proposer des œuvres originales ou travailler sur des œuvres originales. Ce qui a été le cas, tous ceux, par exemple, voilà, dernièrement, on a parlé de Esma Houri, par exemple, qui a travaillé sur beaucoup d'adaptations, Sarah Kane, Marielle Dorfman, voilà, plusieurs donc, adaptations, mais à un moment aussi, et là, son dernier travail, là, qu'elle a proposé, c'est « Ma ville m'a tué », hein, donc, qui est inspiré des poèmes d'Abdallah Zareqa. Donc elle a travaillé avec le poète Abdallah Zareqa, donc vraiment un poète local, marocain, elle a travaillé sur ça. D'autres voilà, travaillent. Dernièrement, donc, j'étais au Maroc, et j'ai vu donc, un spectacle, par exemple, de Abdeljabbar Khomran, qui a travaillé sur un texte de Ghannam Ghannam, qui est un auteur arabe. Donc il y a des gens qui commencent, ou Shadi, qui travaillent sur les textes de Issam Youssefi, qui est un auteur, un dramaturge marocain. Donc il y a cet aspect-là qui est très présent. Maintenant aussi, il y a un deuxième aspect, qui est celui du dépassement de l'adaptation, de la pratique d'adaptation, au sein de l'adaptation elle-même. Voilà. Pour moi, c'est un dépassement. C'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la façon d'opérer ou d'opter pour cette adaptation diffère complètement de la pratique classique de l'adaptation. Et c'est-à-dire que, voilà, je le répète encore une fois, que l'adaptation, les textes adaptés deviennent une sorte de prétexte, voilà, de prétexte pour aller vers autre chose, pour aller vers une autre création. Et c'est ce que j'ai qualifié, j'ai appelé, donc j'ai mis ça dans mon livre, dans le champ des dramaturgies nouvelles ou du post-dramatique. Hein, donc c'est-à-dire qu'on est dans d'autres constructions. On peut dire aussi, le dépassant, peut-être c'est la réécriture aussi. Hein, la réécriture, d'autant plus il faut prendre en considération que les personnes dont je parle, beaucoup d'entendus, sont des praticiens, sont des metteurs, ce ne sont pas des écrivains, ce hein, sont des metteurs en scène. Néanmoins, il faut faire attention. Parce que ces derniers temps, il y a des voix qui sont élevées pour dire attention à la toute puissance du dramaturge auteur. Hein, c'est-à-dire que aussi on se trouve à une situation que les drames actuellement, ces jeunes qui sont dans la plupart des metteurs en scène, ils ont un tel pouvoir que c'est-à-dire même quand ils travaillent sur des textes d'auteurs, ben ils les déforment un petit peu et ce n'est toujours qu'un prétexte pour dire un petit peu leur propre, pour exposer leur propre vision des choses. Donc il faut faire attention parce qu'effectivement aujourd'hui au Maroc, le nombre d'auteurs, dans le sens premier dramaturge en tant qu'écrivain de textes de théâtre, est assez réduit. Hein. Si on le compare par rapport aux années 70, par exemple, on avait une pléthore d'écrivains hein, vraiment publiés, etc. Aujourd'hui, vraiment, ça se compte sur les doigts de la main, c'est-à-dire on a Zoubir Ben Bouchta, Issam Youssefi, Idriss Ksikes, Sbiyer, voilà, il y en a 4 ou 5 vraiment qui sont voilà, présents. Mais en tout cas, voilà, le dépassement, il est en cours, il a lieu, et, voilà, sous différentes formes. Une dernière question. À qui se destine votre livre? À quel public? Alors, mon livre se destine à plusieurs publics. C'est-à-dire, le premier public, peut-être, c'est le public amateur ou qui aime le quatrième art, qui aime le théâtre en général, qui aime le théâtre marocain plus particulièrement, parce que ce public, il va trouver aussi une histoire du théâtre marocain. Donc, parce qu'il y a un travail que j'ai fait, non pas seulement donc, sur l'adaptation elle-même, mais à chaque fois, dans chaque partie, dans chaque chapitre, je commence toujours par une situation historique, un petit peu une reconstitution historique de l'histoire ou historique du mouvement théâtral marocain. Donc il y a vraiment toute l'histoire du théâtre marocain que je commence d'ailleurs depuis
pas marocain, hein, c'est théâtre arabe de manière générale, depuis Averroès, hein, mon premier chapitre, c'est la quête, la fausse quête d'Averroès, jusqu'au 2018. Donc le grand public peut trouver des éléments intéressants. Aussi, le grand public peut aussi trouver intéressants les cours aussi des personnes qui sont dans ce livre, parce que j'ai consacré à chaque fois une sorte de biographie aussi pour les acteurs les plus importants sur lesquels j'ai travaillé. Donc il y a une trajectoire humaine, il y a un destin aussi qui est là, et comme je dis, des trajectoires qui ont joué des rôles très importants et qui aussi, donc en lisant ça, on découvre aussi d'autres éléments très intéressants qui ont trait à la vie personnelle, la vie au Maroc, l'entre-deux, comment ces acteurs ont bougé, ont voyagé, leur conception, etc. Deuxième public aussi, il peut être le public averti, vraiment le public de chercheurs, parce qu'ils vont trouver, ils vont trouver des éléments concernant cette pratique de l'adaptation et de la traduction, comme on dit, donc, il existe peu de références, donc ils vont trouver matière, surtout que j'ai mis dedans quatre index, hein, qui pour baliser un petit peu la lecture, deux index donc de noms propres en arabe, en français, et deux index des œuvres en français ou européen, pas en français, anglais, etc., et les œuvres arabes. Donc, c'est une piste qui est très importante. Les chercheurs peuvent trouver aussi ceux donc, qui peuvent aller un peu plus loin, qui s'intéressent même à des questions pointues, comme la langue, par exemple, dans le théâtre marocain, peuvent trouver, j'ai gardé donc, des chapitres d'analyse, hein, dans lesquels j'analyse vraiment d'un point de vue linguistique certaines pièces pour illustrer un mouvement, par exemple, et ils vont trouver tous les détails, donc, concernant ces éléments. Donc c'est un livre qui est destiné donc à plusieurs publics, et comme je disais, le public non averti peut aussi aller sur d'autres territoires plus pointus aussi et découvrir des choses, et aussi bien au public francophone, parce que aussi que arabophone, même si, parce que le public francophone, c'est vrai qu'il y a peu de livres en français sur le théâtre marocain, hein. Le dernier livre en français date d'à peu près 20 ans, c'est Abdelwahed Ouzzi, Structure et tendance, donc en tout cas le livre qui traite de manière un peu générale l'histoire du théâtre marocain, parce qu'il y a un livre aussi qui est paru il y a quelques années, mais qui est vraiment consacré au Maroc, hein, en français, qui est, dont j'ai oublié malheureusement le nom de l'auteur. C'est une auteure, c'est une dame donc universitaire qui a consacré une étude, je crois, Taïb Sederi, quelques autres auteurs. Donc il trouvera quelques informations sur ce théâtre-là, et aussi sur le théâtre, on va dire, du monde, dans le monde arabe, parce que tous les premiers chapitres, je les ai consacrés à la question de traduction, non pas que dans le théâtre marocain, mais le théâtre arabe de manière générale. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.